Halloween. Alors, dans quelques jours, c'est Halloween et je voulais absolument faire un petit cheat meal Halloween. Alors, j'ai préparé tout moi-même sans gluten. Donc, d'abord, j'ai fait ma belle tarte au potiron, ma pumpkin pie, 100% maison. Donc, tout, la crème, la pâte sablée. D'ailleurs, je vous mettrai en description la recette parce qu'elle est super facile. C'est fait avec de la poudre d'amande, de la farine de riz, du sucre et des œufs. Et je me trompe peut-être en fait. C'est peut-être de la fécule de maïs et pas de la poudre d'amande. Mais bon, c'est un des deux. Et de toute façon, c'est super facile. On mélange tout et on obtient une pâte. On dirait même pas qu'elle est sans gluten. Donc, je trouve ça super. Et donc, j'ai utilisé la même base pour faire ma tarte au sirop d'érable. Donc, c'est une tarte au sirop d'érable. Cette tarte, elle est, je l'avais fait l'année passée, cette tarte elle est juste succulente, elle est magnifique. Et alors j'ai fait toutes mes petites citrouilles, j'ai trouvé des moules citrouilles. Et donc ça aussi c'est une recette, enfin c'est des recettes sans gluten. Donc j'ai fait deux gâteaux, un gâteau à la cannelle et un gâteau au beurre de cacahuète. Les recettes seront toutes en description, ne vous inquiétez pas. Et je les ai fourrées avec de la chantilly et de la crème de guimauve. Et ici donc j'ai plein de petites choses que je vous montrerai au fur et à mesure de ce que je vais manger. Alors il y a beaucoup de choses sur ma table, donc c'est pas facile aujourd'hui. J'ai aussi fait des petites meringues. Je n'avais plus de place, donc voilà. Mais bon, c'était pour faire des petits os ou voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec les tartes parce que ah, j'ai trop envie de les goûter. Je vais commencer par celle d'ailleurs au potiron. C'est la première fois que je fais une tarte sans gluten. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai fait une base de frangipane pour changer un peu de la recette originale. Et ici. Alors on va goûter. Waouh, succulente. Première fois que je faisais, donc avec du vrai potiron et tout. On voit bien la couche de frangipane. Donc vraiment, waouh. La chantilly, c'est moi qui l'ai faite aussi. J'avais une chantilly au miel pour changer un peu. Elle est vraiment super bonne. C'est dingue la pâte, on dirait pas du tout une pâte sans gluten. Je sais pas si vous avez vu mon t-shirt. Spécial Halloween. Je l'ai acheté chez Pull&Bear. J'ai vu la semaine passée, je me suis dit, ah, il me le faut absolument. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu toutes les petites décos. Ma petite citrouille, ma petite araignée. Voilà. Halloween, c'est une fête que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va goûter la tarte au sirop d'érable. Si vous aimez le sirop d'érable. La recette est super facile, de la crème. Il faut faire bouillir la crème liquide avec le sirop d'érable et un peu de sucre. Une fois que ça bout, on ajoute la fécule de maïs qui a été dissoute dans un peu d'eau.
On mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça a commencé à épaissir, on retire du feu et on ajoute le beurre. C'est tout. Et puis on verse sur notre abaisse de tarte. On va goûter une petite meringue. Un petit os. Je ne sais pas combien de temps mon rouge à lèvres va tenir. Mais je voulais un rouge à lèvres qui fasse Halloween. Alors tout ça, j'ai acheté donc en ligne sur My American Market. Enfin pas tout. Mais en tout cas beaucoup. Et alors c'est surtout les cream eggs. Alors ici c'est les scream eggs. Cadbury. Achetez-les vraiment en ligne, ça vaut la peine. Je les ai achetés une fois en ligne quand on a découvert le site avec ma soeur. On a fait une commande et directement on a acheté les cream eggs. Parce que les cream eggs c'est une tuerie et puis on en parle tellement en Amérique, ici on n'en trouve pas du tout. Donc là c'est un œuf en fait en chocolat. Et dedans. Il y a une crème, trop bonne. Elle est normaux, la crème est jaune. C'est comme un œuf en fait, le coulant, le jaune d'œuf. Et là, ils l'ont fait vert pour Halloween. Il est énorme. Je vais goûter une de mes petites citrouilles. Alors, on va goûter celle-ci. Et dedans. Alors, celui-ci, c'est au beurre de cacahuète. Il est super moelleux. Alors, je ne l'attendais pas du tout à ça. C'est trop bon. Dedans, en fait, j'ai fait fondre des guimauves avec de la crème liquide et j'ai mis un peu de colorant vert. C'est super bon. Alors, ça je sais pas ce que c'est, peanut butter eyeball. C'est au beurre de cacahuète en tout cas. Ils sont individuels. Ils sont aussi très durs à ouvrir.
Donc, on a... En effet, en neige, je sais pas, mais c'est dur. Oh. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Donc ouais, c'est du beurre de cacahuète. Dans une chic. Dans un bonbon. Wow. Delicious. Bon, ça, tout le monde connaît. Reese's. Sauf que cette fois, ils ont fait une petite couille. J'ai fait aussi des petits fantômes. J'ai essayé de m'amuser. Alors, j'ai envie de goûter mon petit gâteau à la cannelle. Donc, je vais prendre celui-ci. Et donc, dedans, il y a de la crème fraîche au miel, hein, c'est la crème fraîche que j'ai mis sur ma pumpkin pie. On va voir ce que ça donne. Le gâteau à la cannelle. Oh, trop bon. Des M&M's d'Halloween. Orange, brun et vert. Je vérifie toujours les ingrédients. Vraiment, c'est une obsession. Mais bon. Donc, Hershey Candy Corn, ça fait longtemps que j'ai envie de goûter. On va voir. Ça sent bon en tout cas. Très très. C'est bon.
Mais ça en plus, je n'en rachèterai pas. J'ai trouvé ça ici. C'est des bonbons donc sûrs en forme de chat, de rat et de chauve-souris. Moi j'adore les chics. Ah, je n'arrête pas de dire chic parce qu'ici en Belgique on dit, enfin à Liège en tout cas on dit chic. Mais comprenez bonbons. Alors voilà le petit rat. Chauve-souris. Et j'ai pris ça aussi, je sais pas. Je me demande si c'est pas un chewing-gum. Je vais goûter un petit bout pour vous montrer. Et puis ce sera bon comme ça. Ah ok, il y a plusieurs morceaux. C'est un chewing-gum. Super bon. Un peu acide. On va juste finir ce petit bout là. Voilà, j'ai fini. C'était super bon. Les tartes, je vais les donner à mes parents, à ma famille. Tout le monde va goûter ces bonnes petites choses parce que c'était vraiment super bon. Je me suis régalée, je suis contente d'avoir fait mon petit cheat Halloween avec vous. Toutes les recettes seront en description, donc vous les trouverez sans souci et c'est super facile à faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker et à aller les faire parce que c'est Halloween bientôt. Donc faites la pumpkin pie surtout. Et si vous aimez le sirop d'érable, celle-ci c'est l'incontournable de la saison, peut-être pour Thanksgiving ou quoi. En tout cas, moi je suis contente d'avoir partagé ce petit repas avec vous. C'est toujours voilà, super cool de partager comme ça mes recettes sans gluten, certaines sans lactose aussi. J'espère vraiment qu'elles vous plaisent et que ça vous aide et que ça vous motive aussi à cuisiner vous aussi. Donc mettez j'aime à la vidéo déjà pour ça et abonnez-vous à ma chaîne pour voir encore plus de bonnes petites recettes, de petits desserts comme ça qui font toujours plaisir même en étant céliaque. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de bisous.